Jeudi, c'est 5 septembre 2024. Mesdames et messieurs, gros pour yon cap dominé actualité. Nous gagnons USCIS qui réussit à répondre aux journalistes sous question en pointe là. Yon définitivement dit qui moune. Cap gagné pour faire en pointe. Yon gagne gros changement dans le domaine immigration également dans le pays les États-Unis. Ça qui gagne pour avec la frontière là, pour le partager. Information si la yon ensemble avec ou non vidéo si la. Nous en septembre, l'école a peine ouvri, nous connaissons un bagay qui toujours marqué l'année scolaire dans le pays États-Unis, c'est mass shooting. Et bien, les États-Unis a peine enregistré premier mass shooting dans l'école dans Georgia, côté yon timoun 14 ans, rive tuye yon paquet lot timoun, et rive tuye 4 lot moun, et puis li rive blessé lot 9, mesdames et messieurs, grave et gravement grave. Détail sa yo, pral gen yon la bien rapide nan information nou. Pour Mathéo, comment dossier élection a passé dossier sondage? Nous avons démocratie qui a gagné terrain auprès de Latino. Côté de Kamala Harris qui a mené 59% contre 32%. À Donald Trump, mesdames et messieurs, il a gagné dossier l'argent qui a ramassé. Également, comment ça y est, eh bien, yo et Donald Trump présenté comme il fait dans le mois d'août, mais il a fait comparaison avec Kamala Harris, combien il y arrivé ramasser, c'est nettement différent. Pour ça, yo, avec un pilote, nous allons détailler matin. Sans pas oublier dossier pays d'Haïti yo même et yo en pile tout dossier pays Haïti nous gen bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques et pour défense droit moun yo mandé pays États-Unis sanctionner tout monde qui fait zak corruption dans pays a. Mesdames et messieurs, Sintago Titan tapwe aviol également qui sorti mais monsieur a sorti pour laver tête li pour clean tête li pour propre tête li l'emdou ça c'est parti cause non. Nous avons ancien coordonnatrice programme national cantine scolaire PNCS qui c'est Fanaise Laguerre dans complicité avec l'autre cadre dans programme non parmi yo ancien responsable logistique junior Lavode Selicou qui détournait 250 millions goud pour dit ça yo seulement. Pays d'Haïti, son pays très spécial. Anthony Blinken a répondu présent dans le pays à tout. Anthony Blinken, jodi à la, a présent dans le pays d'Haïti. Côté, il pral rencontrer avec Gary Coni et il pral rencontrer également avec Moun membre CPT. Nous connaissons aujourd'hui, t'as dû gagner une décision qui prend sous trois messieurs, nous avons cité dans la corruption, eh bien, dans le pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Comment nous y est? Moi, j'espère nous en forme. Si nous regardons les vidéos, ça nous l'a toujours et nous dit papa, bon Dieu, qui en haut dans le ciel là, yon gros merci parce que lui fait un cadeau, yon joue en plus. Non, pam, c'est MPH, j'en m'ignorer les MP, ma belle Eleni, MPP, l'autre boule sucre, mais toujours à chercher, yon non pour yon ben moins. C'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir non. Information matin, mesdames et messieurs. Soit à peine vini, ou qu'on qui ça pouvait déjà. Cliquez sur cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout, et comme ça, chaque fois, moi monte une vidéo, ou êtes capable de jouer une notification vidéo, si là, chaque fois, montez-le, ou êtes jouer une notification. Mais, gon bagay, pour pas jamais oublier, faire pas jamais oublier, laguez un like en bas vidéo. Toujours quitte ton message pour faire me connaître MPH, map de tel côté, moi c'est tel, et puis, moi recevoir message là, mesdames et messieurs, parce que vous remèlez, eh bien, juste exprimer pour me connaître exactement à qui moun, moi en a fait. C'est tout ton plaisir, nous pral partager détails matin. Donc, qu'on aime toujours un mot, donc nous toujours gagnons un mot et à chaque fois, nous gagnons possibilité par la verre. Parce que, ou qu'on ait envie ça, nous pas seulement là pour nous donner des informations, seulement nous manger, nous boire, etc. Ok? Nous manger, nous boire, dans l'hôpital, ça veut dire nous c'est moun. Et nous là, c'est pour nous réussir. C'est pour nous faire succès dans vie. C'est pour nous faire succès dans vie. Grand mot moi gagne pour matin, il est très simple. Pas dit toute bagaille n'importe qui l'heure. Pas dit toute bagaille
n'importe qui l'est. Kagion dit-on qui dit les paroles s'en vont, mais les écrits restent. But, les paroles, ce sont les paroles qui sont écrites. Tout ça, mon écrit, c'est ça qui sorti dans le cœur. Leur dit bagaille qui sorti dans le cœur, qui arrive en travers, c'est ou même seulement qui ka connaît peut-être sorti dit ou te simple. Mais moun kap tande ou, y a pas très au sérieux. That's why, prends responsabilité tout sorti, même si ou nan période émotion. Prends responsabilité tout sorti, même si ou nan période émotion. Parce que l'obre a le besoin effacer yo, ou bien vérifier yo, laisse ça, le cap vraiment tard. C'est un conseil d'amis. On va avancer maintenant et dans la rubrique formation, nous, je nous saute parler. Là, mesdames et messieurs, moi, je connais un peu de moins dans le domaine immigration pour nous connaître qui ça a gagné. Donc, moi, je recevoir une lettre maintenant, premièrement, qui sorti dans USCIS. Pabli, je me dis nous que USCIS te promet la baille, la baille, yon interview dans semaine. L'état ba yon interview avec journaliste yo pour te parler de programme Biden. Nan place interview a, yo préféré écrire et bien yon ti lettre pour yo expliquer qui ça yo vle di, pas ça yo di. Hein. M'bral partager ça avec vous tout à l'heure. Nan lettre ça, li genye pour loué ki moun ki pral fè en pointe là. OK, donc là me quoi son gros doute en pile monde te besoin retirer doute ça dans tête yo t'a demandé tête yo mais qui monde qui pral faire un point ça est-ce que c'est tout monde est-ce que c'est nouveau monde est-ce que c'est ancien monde nous même nous t'étais très réservé sous dossier ça nous pas de dire est-ce que c'est nouveau est-ce que c'est ancien monde qui pral faire mais finalement USCIS répond m'pral partager ensemble avec donc mais ça yo dit un moment, mais ça, yo dit, parce que yo te gagné pour te faire interview avec Martin Noticia, ok, and then, yo pa choisi faire interview, yo préféré écrire une lettre. Yo préféré écrire une lettre, et pour yo capable répondre, ou même pour capable dire non, qui moun qui pral le faire, bah m'gade si m'gade mette plus éclairage là-dedans. Of course, les mieux comme ça, n'est-ce pas? OK. Là, n'importe moun capable ouel et cap faire capture d'écran. Moi tiens à ce que tout ça nous dit nous gain preuve. OK? Là, moi tiens à ce que tout ça nous dit nous gain preuve. Parce que information, c'est un gros outil tout monde besoin pour vivre. Mais là ou mal informé ou cap prendre n'importe vieille décision. N'importe vieille décision. Yon moun kap mal informé c'est tant qu'au monde kap bon poison pour tout était tout également that's why guys et dossier bien informé là moi même m'bay ça en pile importance donc et m'a garder information ensemble avec vous d'abord yo salue média et puis yo voyer des réponses plus précisément sous et off the record, ok? Donc, selon record, yo. Sous dossier bagwa on nan. M'kwe ke dou, plus gros question yo, yo sous bagwa on nan. Et là, et puisque moun yo pat décide ba interview, yo pat décide pren media pou yap parler de catastrophe qui genye nan programme parole humanitaire là, yo préféré communiquer ak media ou comme ça. Lap gen moins impact politique sou yo même. Parce que la gemo s'impact. Donc pa vle pa la media yo, li signifiant pour qui parce que le veut faire sentir vraiment dossier yo, yo gen pile politique derrière yo et puis administration Biden nan, yo peur et prend media ak dossier ça pour pas bailler contenu à une série de ennemis. Li très important là on fait silence. Silence très important parce que la gen ennemi ou yo nan confusion. Silence la guerre adversario non confusion. Donc, yo répond pour dire, supporter yo, ok, donc supporter yo, y a notifié de n'importe requirement
yo dwe provide comme information additionnelle le application li under review. Ça veut dire en bon créole haïtien, en bon créole haïtien, ça veut dire qui ça? Sponsor yo, moun kap rempli application pour yo, eh bien yo di, yap notifié de n'importe bagay yap besoin nan men yo, comme information additionnelle, là yo commencé réviser application. Qui le ou ap recevoir notification ou ap recevoir le yo commencé réviser application, c'est ça USCIS lui-même li dit. Deuxième bagaille USCIS pral confirmer ensemble avec nous, les going forward all US based supporters who currently have a pending form. Ça m'doué li en anglais pour m'ka expliquer. Quel que soit, à partir de jodi, lundi going forward, à partir de kounye, en bon créole, depuis ce supporter, depuis ce sponsor qui basé aux États-Unis d'Amérique, qui gagne yon form I-134A qui pending, eh bien, mesdames et messieurs, yon dit, as well, as those who file in the future, même gens avec ça yo qui pral rempli à l'avenir, in the future, they will be subject to the enhanced screening and vetting measures. Donc, ni moun qui gagne application en dedans yo, qui pending yo, ni l'autre moun qui vin rempli à l'avenir, yo tout yo gagné pour yo faire face avec mesure de vérification screening que yo pral faire yo. Et yo mette mesure yo as you can see, donc subject and to descendants au pluriel, ça veut dire toute qualité changement qui pral fait yo, vérification qui pral fait yo, donc investigation qui pral fait yo, yo di a partir de kounye ya, ni ancien ni nouveau yo tout y a subi même so. Ça ta vle di c'est tout moun net yo pral fait background check la pou yo, c'est tout moun net yo pral fait fingerprint la pou yo, ni ancien moun ni nouveau moun, mais yo tout yo pral subi et bien background check ça. OK, donc là m'clair sur ça avec ou pas sous pas joindre l'autre côté et là ou joindre et nous gain les nous bail make sure que ou connaît pas besoin poser me question sur ça encore qui monde qui pourrait faire fingerprint et bien USCIS lui répond question ça. Troisième point USCIS noté. Bénéficiaires qui mandaient et beneficiaries ou requests were previously rejected or not. OK? Et ou bien, yo dit la bénéficiaire, donc qui te premièrement fait application, mais yo te rejeté application, ou bien moun sa yo pas sélectionné yo, OK? Et mais yo dit comme ça, et different, pas gagnant qui empêche yo refaire avec même supporter ou bien yon ancien supporter. Tout potentiel bénéficiaire avec supporter. Donc, qui en bas de vetting rigoureuse et background check. OK, will undergo. OK, donc ça veut dire tout supporter, tout bénéficiaire et tout supporter. Yo pral en bas vetting avec background check. Yo pral faire investigation, vérifier sou yo et faire background check tout supporter ak tout bénéficiaire. OK? If we filling with the same supporters, sou rempli encore avec même supporter et puis ou rempli
avec un différent supporter. Please note that the supporter will now be required to submit their fingerprint. A très important. Li di ke, notez ça bien, qu'on y a. Songez, si ou rempli pour yon supporter, et si ou gon supporter qui rempli pour ou, tade oui, si ou gon supporter qui rempli pour ou, et puis ou font l'autre supporter rempli pour ou, question nous toujours à poser ya, est-ce que deux supporters qui rempli pour un seul monde? Tade oui, et bien elle dit qu'on ça, if we feel with the same supporters, or feeling with a different supporter, please note that the supporter will now be required to submit their fingerprint. Supporter yo, y a besoin et bien aller buy fingerprint yo. Là, li vle di, et moun ki pa approuvé yo. Même si ou feel avec même supporter avec un autre supporter, songe y a pe mande fingerprint yo. Ça c'est beau traduction. Note that également. Songez, si vous avez deux supporters qui remplissent pour vous, ça veut dire pour un seul monde, il y a besoin de faire background check. Donc, ça veut dire qu'on est là, vérification vient tellement rigoureuse, ça ne vaut la peine pour demander un supporter rempli pour vous parce qu'il y a Kimbo. Le yo Kimbo, laisse ça ou pral perdu ni sac, ni crabe. Donc, ça veut dire, une fois qu'on connaît ou même, ou gon bon green supporter qui rempli pour ou, dossier à son question de prend patience, y a privé sous dossier pour là, quand même. Ça, c'est une très bonne nouvelle, n'a pas continué à avancer. Supporter qui était premièrement pas confirmé, ok? Et. Oh, ouais, très important. Tendez. Supporter yo, premièrement, previously, qui pas confirmé. Yap continue pas confirmé encore. Si concerne avec qualification yo, pas suffit. Ok? Si concerne avec qualification yo, pas adressé suffisamment. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, yo dit. Si toutefois, moun ki te rempli pou wa, li pa te confirmé, se pa kouri tan kou moun tèt chaud re-rempli encore. La, fok ou cheke pou ki sa ou pa approuvé, et puis pou kapab résoudre problème nan, selon USCIS. Ou ap gade en bas, pou kapab résoudre problème nan. Si ou pa résoudre problème za, li di ou ap continue pa approuvé. Donc, ça make sense. M'baka dou par exemple, ou pa gen suffisamment l'argent, m'baka approuvé ou. Et puis, ou même, ou pa fan yin nan dossier l'argent, ou al refè le même genre encore. Mais yo dit que, y apre pa approuvé ou encore. Mais qu'on y a, ça montre nous, vérification sa yo, vetting sa yo, avec background check sa yo y a fait yo. Donc, si toutefois yon moun qualifié pour programme non, la chance passe, ça veut dire que ce n'est pas bagay sous chance. Là encore, moun nan, la chance passe. Ok? Ça, c'est dernière information. USCIS, les mêmes, les mettez dehors concernant programme parole humanitaire. Là, mesdames et messieurs, et m'te vle mek chok que ou gagne l'an première main. Gen commentaire, bien sûr. Gen pile question que te ka pose, bien sûr. Mais, faut que nous continuions à avancer. Dans le cas ça, faut que nous continuions à avancer. Donc, qui sa conclusion message là pour matin selon USCIS? C'est tout le monde qui a fait fingerprint là. Il y a qui pose la question, qui côté? Eh bien, et qui côté? C'est yo même Kabdou qui côté. Ok? C'est yo même Kabdou qui côté. Qui côté Abdou ça? Eh bien, Abdou ça, non? My USCIS account tout cela a communiqué avec vous. Mes amis, pas go ken kote ou di a vous lettre la kayou on email ba ça. Yo pa di ça. Yo di moun yo doit rester à la surveillance de compte My USCIS account yo. Pour yo est-ce que yo pa recevoir une notification qui mande pour yo faire action.
ce qu'on dans des paroles là. OK. Domaine immigration, on a continué, mesdames et messieurs, bien bonheur le matin. Eh bien, nous gagnons et administration Biden non, qui continue à agir, à frapper sérieusement dans le domaine immigration. Donc là, je dis, yo paraît avec dossier et CBP One. Dossier CBP One, comment ça y est? Donc nous pour aller dans un dernier article qui a peine publié par New York Times. Eh bien, qui va nous détailler ça matin? C'est lui-même qui va le partager d'habitude ensemble avec vous. Parce que pas bah ici nous-mêmes, c'est nouvelle nous bail. Nous pas fait nouvelle, mais nous bail nouvelle. Et comme c'est immigration, tout ça qui est pour immigration, il est intéressé pour me capable partager ces détails-là ensemble avec vous. Les restrictions imposées par Biden en matière d'asile étaient censées être temporaires. Cela pourrait changer. Très bien. Et restriction que Joe Biden, ça c'est changement dans le dossier demande asile dans le pays États-Unis. L'administration Biden a envisagé des mesures qui rendent presque impossible lever restriction sévèrement ordonnée par le président dans le mois de juin. Qui sa mesure sa haute? Donc, qui sa vle dit là dans le journal? Li vle dit que Joe Biden pral fait dossier asile politique là vin encore plus dur. Dans le mois de juin, il te prend des mesures temporaires, mais jodi, mesures ça ou pas temporaire, li vle kimbe mesures ça ou de manière permanente. Administration Biden non, li envisage une série de mesures qui ta rend restriction asile strictement mais temporaire. OK, du président Biden presque impossible à lever. On déclare mercredi des personnes au courant des projets, des monde qui au courant projet yo, et ben yo dit que et mesure Biden te prend qui c'est mesure temporaire yo qui te cap changer yo selon ça yo est mesure ça va pas changer. Mesure ça l'a transformé à ce qui était une solution à court terme en un élément central système asile américain. Mesures temporaires, yo vin des mesures permanentes. Et c'est un signe supplémentaire que pays a éloigné des pratiques traditionnelles américaines qui consistaient à mettre à permettre à toute personne qui mettait pied sous sol américain pour demander une protection. Changement envisagé donc appuyé sous décret exécutif publié par Biden en mois de juin qui te bloqué en grande majorité de demandes d'asile en frontière du sud et permis aux agents de refouler rapidement les gens. Ça veut dire et décision Biden te prend yo décret ça secte et bien les grandes quantité monde pour lever 1500 dans frontière automatiquement li dépasser level ça. Et puis fermer frontière, ces mesures là ça. Reste qu'à rentrer, y a arrêté yo et puis y a refoulé yo. En vertu de décret de juin, restrictions en matière d'asile là donc serait levé lorsque le nombre de personnes est tentant de traverser illégalement chaque jour et descendrait en dessous de 1500. Ça veut dire si pas qu'à l'arrivée 1500, yo te fermé. Mais après l'ouvri, jodi, Biden demande pour s'arrêter permanent, ça veut dire pas fermé, pas l'ouvri. Et Jean Lié arrêté le consa, pas que son l'ouvri, fermé net. FFN, fermé net. Depuis que décret ça a entré en vigueur, nombre d'arrestations dans la frontière sud-là, yo descend de manière vertigineuse. Dans le mois de juin, il y a seulement 83 000 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été effectuées. Puis, dans le mois de juillet, le chiffre a descend à 56 000. Mais en août, les arrestations ont été grimpées à 58 000 selon un responsable de sécurité intérieure, mesdames et messieurs. Bagala vient de monter à 58 000. Ça veut dire, et programme Biden te mette pour empêcher mon entrée, s'il va marcher.
En vertu de décret de Biden, non seul monde qui rentrait dans pays a par rapport à d'entrée officielle avec un rendez-vous capable, eh bien, gain possibilité pour demander asile politique. Pour demander asile politique là, donc lui demander faut ou gagner rendez-vous CBP1. En dehors de rendez-vous CBP1 là, pas que personne y a qui t'est rentré dans pays a de manière illégale. OK, et qu'on y a là baga la vinn pi dur, pa gen dossier di 1500 et puis il y a fermé, il y a plus ouvrir le bagage qui cap changer. Non, li pa changer du tout, li vinn devenu presque yon loi. Mesdames et messieurs, les choses sont compliquées, hein? Les choses sont compliquées, extrêmement compliquées. Bon, nous pas prêter seulement dans dossier immigration parce qu'on connaît jamais te dit ou Mateo information yo en pile et nous connaît une bagaille qui marque l'histoire pays États-Unis dans dossier l'école c'est ti moun k'ap touye moun nan l'école. Mes amis, sou pote ko konnen bagay sa, mais ou capable étendre ça. Mes amis, dossier ti moun k'ap touye moun nan l'école, son gros dossier nan Amerika. Son gros dossier, c'est tout temps depuis l'école la ouvri, mais moun ti moun se rale zam touye moun. Et l'école là depuis semaine dernière gagné plusieurs côtés gagné l'école qui commence l'ouvrir pendant que gagné qui était cap continuer l'ouvrir mesdames et messieurs mais Amérique arrive et enregistrer premier shooting de Masli par un grand étudiant et son timoun un timoun de 14 l'année. Yon ti moun de 14 l'année, comment le salue année scolaire là, li salue année scolaire là avec 4 morts 9 blessés. Li rentre dans l'école là, li rentre dans l'école li et li rale zamni et il tombe tiré. Et la tiré à rasol. Nan tiré rasol, li aimé rive touye 4 moun. Bon gade détail yo, pi bien pour même pour me capable ba ou yo nan bon timamit mesdames et messieurs, ou même avant vous ti moun l'école, pas jambe bouquet prier pour yo. Et Atlanta, Georgia, ça passait. Yon adolescent qui a seulement 14 l'année. Monsieur rive tuye deux camarades de classe li. Et il rive tuye deux professeurs. Et puis il rive blessé par balle 9 lot timoun dans le lycée Georgie. Bagay sa, li rive souke communauté à nan Georgie, côté moun yo habite, ti habite yo très tranquille, ki pa jam gon bagay kon sa répété. Suspect lan ke yo te interroge, et pa ke fos de l'ordre yo même yo te interroge, mesdames et messieurs, au sujet de menace en ligne, suspect lan ta fè konnen, li pa konnen de ces menaces en ligne. Mais ça drôle là, yo réalisé menace c'est monsieur qui te fait yo. Et puis qui menace pour le touiller, c'est pour le briser et bien en Ukraine, il t'a craser, il t'a briser et cetera. OK? Donc il t'a craser, il t'a briser. So comment bagarre là lui-même et li passé. Donc là me dit en Ukraine so non, ce sont des menaces lui-même il t'a fait. Il t'a dit il t'a fait des et pas grand pour Ukraine la fait des et mass shooting bah ça passé depuis année dernière. OK, il passé depuis année dernière là ont arrêté monsieur, il a fait investigation, je ne sais lui-même qui était qu'on a fait menace sur réseaux sociaux et monsieur il y aurait le monsieur Cold Gray monsieur une 14 l'année, il a inculpé monsieur, il dit monsieur pour le juger tant qu'au grand monde. C'est pas bail ti moun, yo pral juger monsieur pral juger tant qu'au grand moun. Le mandé monsieur ça le connaît de menace, il dit il pas connait rien, c'est pas lui-même qui t'a fait menace, mais enquête yo révélé c'est monsieur ya qui t'est arrivé faire menace sur les réseaux sociaux, dit yo pral détruire, il pral tirer sur l'école. Malgré li fait menace, il pral tirer sur l'école, yo continuer quitter le rentrer l'école. Donc ça veut dire yon ti moun comme ça pas ta doit gen droit pour rentrer l'école, ou du moins s'il t'a rentré l'école là c'est à sous haute surveillance parce qu'elle gen intention font shooting de masse. Et quand même bah quoi que l'école yo, ce sont des écoles qu'on rentre ou jusqu'où rentre comme ça gen barrière. Et bien des mesures pas de prendre, monsieur rive faire gros l'obéi.
Et FBI publié plus tard une déclaration révélée que l'été enquêté sur une série de menaces en ligne et qui était des menaces en ligne de commettre une fusillade dans une école en 2023. Monsieur T voulait commettre fusillade ça depuis dans l'année 2023. OK? De ça soit envie de tirer, soit envie touyer monde qui prend, soit envie bandit qui prend, envie gang qui prend et il dit quand même faut le tirer monde et mais année a pas passé. Monsieur Agetan touye tout moun sa. Et moun nan zon nan, mes amis, y a plein, yo mette tete ensemble pour yo faire un veille symbolique parce que yo pas en pile, OK? Habitant yo nan ti vila ke le Wende, c'est seulement 18 000 habitants li genyen, 18 000 non, zon 18 000 moun, quasiment tout moun kon moun, sont des voisins, c'est famille, yo ye. Yo obligé réuni et bien pour yo capable ba yon veille symbolique. Mettez yo ensemble pour qu'a plein ça l'autre moun yo donc yo lamenter donc pour l'autre famille yo également mesdames et messieurs et moun jeune homme ça colle li rive tire yo moun sa yo prend yo et à l'hôpital ensemble avec yo ça blessé yo ta semble selon la justice gen possibilité pour moun ki blessé yo récupérer yo ça bon pour moun ki blessé yo t'arrivé récupérer yo. Bah, yo difficile, yo compliqué, eh bien, c'est le monde qui envahit. C'est le monde qui envahit et nous pas connaît qui côté non, monde ça va aller. OK? Nous pas connaît qui côté monde ça va aller et faut que moi dis ou si toutefois ou même ou pas qu'à faire pour ça, ou qu'à seulement prier grand maître là et grand maître là lui-même la fait intervention ni mesdames et messieurs. Ou la fait intervention parce que gen dossier qui dépasse ou, gen bagay qui dépasse ou. Bon, chose a été dite, chose sera faite. D'après Jean de Tayo, yotobe matin, Anthony Blinken ta doué atterri dans le pays d'Haïti, bel bonnet, jeudi 5 septembre, nan la, pour dossier soutien à sécurité. Pendant que les États-Unis li envisagé changer et force qui en Haïti. Les États-Unis comptaient donc voyer au lieu de force maintien la paix donc MSMMS multinational yo voulait changer bagay là en force ministère. Yo voulait changer en force ministère mission Nations Unies pour capable venir stabiliser et mais établir la paix dans pays d'Haïti. Li voulait tourner comme ministère encore. Il y a plusieurs raisons qui causent. Yo vle tourner comme ministre parce que pas gen kob pour force multinationale là. L'autre pays yo pas voye moun, yo pas voye kob non plus. Yo la guerre et bien Biden pour contre li dans bataille là. Et gon bagay, ça si Biden li même coup Biden li pas sous pouvoir, li pas trop engagement pour Kamala Harris continuel et si Donald Trump vini, l'a tout craser. Et force Afrique qui dans Haïti yo nèg yo pas même manger même nèg yo pas gen cob ça veut dire pas gen paiement qui ka fait pour yo bagay yo compliqué en pile donc that's why me pense que ce sont des points qui Anthony Blinken lui-même li pral discuter avec force et force multinationale ça qui dans pays d'Haïti force kenyan qui dans pays d'Haïti li pral discuter ensemble avec yo automatiquement yo ta changer physio d'épaule pour force kenyan ou même tout pile terrain yon foi son l'autre chapeau son l'autre chapeau parce que yo réalisé fòch kenyan yo yo pa régler grande chose nan pays ya malgré tout événement qui passé malgré tout rapport qui bail yo réalisé kenyan pou ko jam amen régler rien qui sérieux nan pays d'Haïti zone yo toujours bloqué jusqu'à maintenant Port-au-Prince toujours invivable jusqu'à maintenant et nèg yap di yo fè opération. Sou fait opération qui côté et qui résultat li bay. Alors, yo obligé et a fait le nécessaire pour capable et bien et retirer changer force ça dans pays. Anthony Blinken a rentré. Anthony Blinken gen plusieurs dossiers. Anthony Blinken lui-même l'a réglé également gen trois ti comme ti monsieur yo là qui nan corruption d'après sa reproche yo qui demande 100 millions de goud pour moun capable kembe poste yo ça c'est une vraiment corruption dans tout pays nous doit lutter contre bagay ça donc les femmes plus précisément doit lutter contre lui côté que mesdames et messieurs
et corruption en lui-même l'a valé terrain. Donc selon ça qui dit Anthony Blinken t'a dû prendre décision jodi a mandé pour mettre nèg sa yo à l'écart parce que car commandé ça car commandé pour mettre trois monsieur sa yo à l'écart pour nous capable joindre une solution à crise pays a parce que nèg yo vraiment bloqué pays a là. Pendant ce temps, en pile moun ta remenek se tombe pour yon mette green pa yo, parce que yon pa prévoit à quitter place la vide, yon prévoit remplacer par l'autre président. Par l'autre président qui ka vin jouen reste président yo, de quoi pour le cap toujours quantité président, 7 présidents avec 2 conseillers. Donc Anthony Blinken, lap nan ville là, li gagne pour le passer en République Dominicaine également, mesdames et messieurs. Comment ça y est dans dossier et sondage yo? Donc n'a pas fonti passer dans dossier sondage yo, les n'a gardé ici non jouen démocrate yo gagner terrain auprès de latino yo. Les n'a parlé de démocrate yo là, non ka di clair et c'est Kamala Harris et bien et avant c'était Donald Trump. Bagay ça a été fait, tout le monde dit mais c'est pas possible. Comment faire les latinos qui gen problème immigration yo même yo préféré supporter et bien et Kamala Harris et Donald Trump? Non, problème nan yo te gen la avec Joe Biden, yo pas gen la avec démocrate yo. Si ou perdi élection démocrate yo, ou perdi un gros morceau. Donc sondage yo démontre que Kamala Harris lui-même les gagner terrain auprès de latino yo qui indécis. OK, qui indécis. On garde notre là, discours démocrate là, li trouvé yon écho auprès de plus grand nombre électeurs hispaniques depuis que vice-président Kamala Harris lui-même li vin candidat et bien à la présidence nan place président Joe Biden. Donc noyau hispanique yo commencé retrouver au plus dans Kamala Harris dernièrement, yo té à balancer mais qu'on est là au commencer équilibrer sérieusement. Enquête la témene sorti 5 pour 23 août li révélé gen 59% moun ke yo interrogé donc ki gon penché vers Kamala Harris côté gen 32% seulement. OK, 59% pour Kamala Harris, 32% pour Donald Trump. Ça veut dire hispanique yo décidé voter pour Kamala Harris. Mesdames et messieurs, là, as you can see, depuis que Kamala Harris li prend tête parti, c'est lui-même qui candidat et puis Biden mette kol yon côté, là li gon gros changement li fait nan kous électoral là qui vraiment et tout et attiré les regards. Électeur hispanique yo pas seulement plus en phase avec candidat démocrate là à la présidence là jeudi en novembre dernier. Donc Sergei s'entend également à certains candidats de second plan et à des opinions sur des questions spécifiques. Donc tu as besoin de l'autre candidat et en second plan qui pour une question pour yo et puis qui t'a et l'autre candidat dans second plan. Donc yo même quand on cap gain on l'autre opinion yo cap garder pour qui ça gain Kamala avec Trump etc. Mais pas gain. Selon enquête et Unidos, nous gagnons 45% moun yo interrogé estimé que démocrate yo gain des meilleures solutions pour séduire inflation. Pour réduire inflation et coût la vie, contre 27% qui estime que républicain yo Donald Trump li gagne solution en amène. C'est très important, très important. 45% là nous arrivons dans le domaine économique. 45% dit Kamala Harris mieux que Donald Trump. OK, Kamala Harris mieux que Donald Trump. En 2023 et nous gagnons les personnages interrogés, ils ont déclaré que démocratie était meilleure en matière inflation, 21%. Ils ont dit même bagay là que républicain. Il y a 17 qui considéré comme deux partis égales et à 12% et ils ont donc ils ont même tout ils ont by opinion par. Alors, par conclusion, Kamala Harris l'a bien marché, l'a bien frappé dans le domaine élection là. Lors Kababoué, là, il y a
Donc 54% contre 25%. Les choses sont vraiment belles pour Kamala Harris. Donc pas gain élection ça là, il pas semble à Kamala Harris du tout. OK? Il pas semble à Kamala Harris du tout, il plus semble à Donald Trump pour perdu élection si là. Il dit élection pas faite dans bouche, mais sondage yo gon gens pour gérer yo. Donald Trump a ramassé ti comme partout pendant que Kamala Harris gétant ramassé plus que 530 millions de dollars. Kamala Harris a ramassé plus que 530 millions de dollars depuis qu'elle prend tête parti. Ce n'est pas comme Biden, etc. C'est comme lui-même fait et non enlevé de fonds. Ok, c'est pas comme Biden mourir qui était pour lui. C'est comme lui-même le travail fait enlevé de fonds. C'est comme que mon yo bail comme donation parce que yo fait Kamala Harris confiance et plus que 530 millions de dollars. Et Biden a traîné et Trump lui-même l'a traîné avec 130 millions de dollars. On dirait son affaire. Bagayo pas affaire pour ça. Donc, il mandé pour Donald Trump continuer frapper. Frapper Red Frame parce que bagayo pas facile de yo. De boue femme à battre gain. Oh, Jesus. De boue femme à battre gain. Ou entravé. Ou entravé. Et n'a pas continué avec information yo bien rapide matin encore mesdames et messieurs côté que nous connaissons ba yo dans pays d'Haïti on ti gens mélangé la me dire mélangé yo mélangé l'opte de nèg k'ap parler donc ou pas ka rele ça seulement corruption et non li pas ka seulement corruption second l'autre ti nom kavalou ka ban moi OK m'ka wè si m'ka adapté avec l'autre ti nom ça mais nous pas ka rele ça corruption ça est vol même ça c'est casser poignet ça c'est pillage ça n'a pas tendé là dans pays d'Haïti second l'autre ti nom kabay ou capable voyer le vini n'a pas avancé qui s'est passé dans pays d'Haïti. Un moment, s'il vous plaît, gagnez et un dossier d'ancien et coordonnatrice programme national cantine scolaire PNCS qui relève Fanaise la guerre, lui-même qui n'a complicité avec l'autre cadre qui n'a programme non, parmi eux un ancien responsable logistique qui c'est Junior Lavo, c'est le coup qui détournait 250 millions good. Donc vous attendez ça. Et bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique et pour défense droit moun yo mandé pays États-Unis sanctionner tout moun qui gen non yo cité dans rapport ILCC. OK, avion flairant est passé dans Caraïbes, monsieur ali même les clean tête li montre noir sur blanc tout compte li gen yo et toute machine l'acheté yo, toute bagaille clair, toute caille tel acheté yo, toute bagaille clair. Donc lui même il lave tête li. Il est attendre ou manque convaincu, c'est mon temps de faire. On dit bon pas clair. Donc il entend lui la pour l'autre mesdames et messieurs. FNEA a sorti. L'agent côté l'agent diaspora qui a travaillé Jean Freddy. Dollar 50 diaspora. Là est clair. Nous mandé côté au frère on peut choisir appel yo. An Joseph nous mando contre rapport FNEA. Bah tout droit là yo. Et nous profiter annoncer mes maman Pemba, mes lèvres Kambéa, mes maman Pemba, yon gros sitting qu'a fait dans date cap mercredi 11 septembre là dans Delma 83 devant local ILCC. Mercredi 11 nous prenons dire ILCC, nous venons chercher rapport FNEA dans sitting qu'a fait Delma 83 devant local ULCC. Et n'a profité dit avec secrétaire d'État américain Monsieur Anthony Blinken. Aidez-nous dans le dossier ça. Aidez-nous dans le dossier FNEA. Un pile milliard de dollars américains à côté. Qui n'a pas Jérôme Joseph, Deis de Honnête, Eddie Jackson Alexis, Loubert Diffré, Georges Lebob, criminel volé, Samuel Assassiné, et un pilote encore. Monsieur Anthony Blinken, aidez-nous.
si vraiment États-Unis, ses amis pays d'Haïti. Nous crions haut et fort que nous n'en pouvons plus. Nous crions haut et fort que nous n'en pouvons plus de cette situation qui ne cesse de nous arracher, affaiblir. Ainsi, nous demandons l'arrestation sans condition de M. Ronald Joseph, qui est le directeur du Front National de l'Éducation, FNE, qui est un organe public chargé de promouvoir l'éducation en Haïti dans ses différentes composantes. Cet organe fonctionne à partir des $50 recueillis sur les transferts des personnes à l'étranger, des appels venant de l'extérieur du pays, des taxes perçues sur les boissons alcoolisées, des fonds venant de la loterie. La compilation de ces sommes environne un montant de $13 milliards américains depuis la création du Front National de l'Éducation jusqu'à aujourd'hui. Les personnalités telles que Jean-Ronald Joseph, Deus Deonep, Samuel Astatione, Georges Limbaugh, Joubert Frère, environ 200 faux-fils et plusieurs autres corrompus ont gaspillé, dilapidé ce montant. Cela a provoqué tout un dérangement dans le système éducatif, car les enseignants n'ont point reçu leur salaire. Les directeurs n'ont pas reçu leur salaire ainsi que les subventions qui étaient conclues entre eux et les autorités. Point de construction d'édifices scolaires. Les professeurs des différents programmes tels Sugo, Connect n'ont pas reçu leur salaire ou redevance malgré le fait qu'ils ont honoré leur engagement. Ces contrats signés entre cet organe public et les écoles privées datent de 9 ans. Et depuis lors, elles n'ont point reçu d'argent. Ces corrompus, au lieu de répondre à leurs obligations, ont préféré soudoyer les autorités judiciaires, certains journalistes, certaines radios et d'autres complices afin d'éviter le scandale. C'est en ce sens que nous interpellons l'ULCC dans cette affaire, dans le but de mener une enquête approfondie sur la gestion du Front National de l'Éducation où la collecte des fonds provient en majeure partie de la diaspora. Pour continuer la bataille contre cette corruption accrue qui ne cesse de gangréner le Front National de l'Éducation en particulier et l'administration publique en général, que nous annonçons un sitting qui aura lieu le mercredi 11 septembre 2024 à Delma 33, par devant le local de l'ULCC pour exiger un rapport sur les dépenses du Front National de l'Éducation et solliciter du même coup auprès du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, de l'aide sur cette affaire, étant donné que les États-Unis se disent être toujours amis d'Haïti. Miaou. Mais là, regarde, ce contrat signé, que m'a pas qu'à justifier les comme l'État, mais il dit que m'a pas qu'à justifier $663 000 américains. Or, m'a dit deux dossiers, même gagné ça devant moi, mais là, regarde, ce contrat signé entre cabinet Florent, représenté par Hans Joseph et une institution de la place, m'a pas cité non, pour $200 000 américains, l'y fait 13 décembre 2016. Institution signée Hans Sien. C'est Hans qui représentait cabinet, pendant ministre. C'est pas, je mets troisième contre Hans Gavem. L'aime fin pas ministre. Mandé le rapport, gestion cabinet. Dit pas Kababouel. Monsieur, les n'ap gade au moun kabak pour détruire au moun. Yon affaire de $663 000 américains que yon moun dit m'baka justifier. Yon cabinet senior, quel que soit grand cabinet de la place, bon m'pap cite non. Bon m'de que toi cabinet madiste, m'de que toi cabinet vandal, m'de que toi cabinet meuse. Yap fait trois fois ça non année. Moi l'aime pas ministre comme Florent, avocat. Mette Florent. Mon compte fait $250 000-$300 000 américains là. OK, mette Florent. Alors, rapport il fait état de ensemble de enquêteurs qui tendez où et oui. Dans quatre déclarations de patrimoine ou déclarer seulement 50 bancaires
Alors que très bien, et famille gagne au total 16 comptes côté que l'argent monte descend pour qui ça si ça me garde sur ça. OK, rapidement. ULCC remonté à des comptes que m'étais ouvert pendant même t'es étudiant faculté de droit en 1994. ULCC a levé à des comptes en 2005. Puis fort compte ça c'est des comptes dormants. Il n'y a pas bon coup de sous. Vous connaissez, je vais te dire. C'est Aviol Fleurant, je suis contre. Aviol Fleurant, goutte dollar. Cabinet Fleurant, goutte dollar. Ça va être 4 comptes. Vous allez parler de madame, moi, là, je suis contre Loutnia, goutte dollar. Madame, moi, je suis cabinet d'avocat PAL, qui est le business advocate, qui gagne 2 goutte dollar. Ça va de bon 8 comptes. Maintenant, pour qui sont l'autre compte yo, qui pas existé, qui dormant, qui existe, mais qui dormant. M'te acheté une machine dans Scotia Bank. Non, m'te acheté une machine dans Berman. C'est Scotia Bank qui te finance. M'te obligé ouvrir un compte dans Scotia Bank pour me payer. Là, m'fin fin payer, m'ferme comme ça. M'pas utiliser le compte. M'pas fermer, non, m'pas utiliser. En 2010, m'acheter un Santa Fe. Et qui est-ce qui finance? C'est BUH. Malgré que mon client Unibank et CG Bank qui c'est que me préféré, deux banques pas que me préféré, mais comme c'est BUH qui finance, m'a ouvert deux comptes dans BUH. Là, me fin payer tout quoi financement machine là, m'a pas utilisé comme ça encore. Yo dormant. En 2015, mal acheté un Prado. Mais qui est-ce qui finance? C'est BUH encore. Moi, retourner sur. Il faut deux autres comptes. Je ne vais pas utiliser compte d'Orma. Non, mais Fleurant. Rapport à tout, pas déclaré pour Adoua, non? Non, c'est Jean-Pierre Bradou. Ce n'est pas vrai, mon cher. Mais non, mais rapport à dit lui. Non, non, rapport pas, je me dis ça. Mais ça le dit. Mais ça le dit. Baldo, ça le dit. Gagner deux machines. Sorento m'tache en 2005. Motel crasé. Sous mon début, c'est comme journaliste. Bon garage, Pédroa. Ou après le campé dans la rue depuis plus de 4 ans. Son machine qui n'est pas utilisée. Mais t'es déclaré le patrimoine entrant. Le patrimoine sorti, je pas qu'à déclarer parce que la machine n'est pas fonctionnelle. Même Santa Fe, comme t'es déclaré entrant, Santa Fe, mais le modèle sorti, la main dans la couleur, quand il m'a dit, si il n'est pas fonctionné. Je ne peux pas déclarer aux machines qui ont usage. Je pose une question. Je réponds une question. Je dis pour qui ça, dans la déclaration de patrimoine, sorti. Je ne peux pas mettre parce que ce n'est pas fonctionnel. Malgré ça, je ne peux pas rapporter. Je suis plutôt venu mentir pour dire que je fais exprès de ne pas faire déclaration. Vous comprenez? Je encore pour les comptes dormants. Je explique que ce sont des comptes dormants. Si on pas utilisé, on pas qu'à déclarer yo. Est-ce que ou pas doué pour qui fait tout compte ça yo? Son juge. Pardon. Oui. Alors dans période, alors rapport à dit dans période où t'es ministre là, compte dormant on va parler yo, gain de dépôt qui fait sous yo et gain de yo même by date que dépôt yo fait. Bam qui compte map de on aller, qui compte dormant et qui combien comme qui fait sous lui. Ah, faut me chercher. Vous mettez parler ma boy on dalle. Moi-même préparer cahier moi. Non, mettez parler ma boy on dalle, c'est appli là tout à l'heure. On aller. Vous comprenez? On t'a parlé. Je m'en viens ensemble avec vous. OK. Maintenant, les vis cachés encore du rapport. Monsieur, bagaille ça. Cabinet Fleurant. Cabinet Fleurant. Au sujet de compte numéro 33. 00-01-12-36-12, domicilié à la Banque de l'Union haïtienne, ouvert depuis le 29 juillet 2011, dont Maître Aviol Fleurant est le titulaire. Ça, c'est pour Santa Fe, hein. Durant la période su-indiquée, il a déposé sur le dit compte la somme totale de 42 366 $ américains et 77 centimes.
Ok, laisse une période sous-indiquée, analyse, période sous-indiquée. Non, la parole de période 2016-2018. Ça veut dire que nous avons monté ministre mars 2016, nous tombé septembre 2018. Nous faisons 2 ans 6 mois. Pendant 2 ans 6 mois, vous déposez 40 000 dollars américains sur mon compte. Sous-divisé par 18 mois. Bon, attends, attends. 40 000 divisé par 18 mois. Qui ça on ne pas faire là? Qui sont pas faire? 40 000 divisé par 18 mois, sous table calculé par mois, combien là-bas où? Donc, ça veut dire que c'est une volonté de nuire, une volonté d'altérer la vérité. Vous comprenez? Maintenant, 40 000 dollars, 40 000 divisé par 18, pas 18, égal. C'est comme si par mois où tu as déposé 2222 dollars, qui ça un professionnel dans le bac à faire sous lui? Un avocat senior que mieux. Bon, pendant le ministre, monsieur dit que je justifier 569 000 dollars américains. Je prends deux cas seulement. Parce que arrivé là, je prends un troisième dépassé. Pour qui ça? Et pour l'autre menti, il baille. Quand tu fais ce monde dit, ou fait dépôt en espèces, good ou bien dollar, ou bien on fait dépôt cash. Regardez, pas qu'on banque cap accepté pour déposer tout comme ça au cash. Sinon, on fait mes banques, mes amis. Ma prends l'autre fait, qui est important. Cabinet incendié, 13 septembre 2017. Qui est-ce qui a le fait constat incendie cabinet maintenant? Maître Anne Joseph qui est représentant Aviol Fleurant, représentant cabinet Fleurant. Il y a deux machines qui boulaient devant. Porte d'entrée à bouler. Les Maître Anne souhaite ça. Parce que Mounio promet pour le retourner. C'était une manifestation budget criminel. Contre budget criminel. Mounio allait, Anne allait lui retirer tout dossier pour si Mounio tourner pour le cabinet à pas bouler. Kounye a. Les documents administratifs, les mvinba ministres, les documents financiers, que client paye, même de mettre en compte, jusqu'à présent, pour qu'on ait un document administratif financier, pour me dire combien de fois, pendant que je suis client, pour me dire que je suis justifié devant ULCC, mes pauvres nations. Mais heureusement, moi-même, le méchant fait une œuvre qui le trompe, ou du moins, bon Dieu, toujours sauver un citoyen. Moun qui te fait constat, c'est Hans. Hans pas bon rapport. Hans déplace dossier yo. Hans pas bon jambon. Fiche de paiement, client, etc. M'a jamais dit que Hans prend comme cabinet, non? C'est important de le signaler. Mais moi dit que Hans pas jambon rapport. Que tout document pour m'a justifié, m'a des dossiers ça yo pas là encore. Tout le dossier qu'on a. Et autre dossier. M'a jamais dit que yo fait magouille avec AFM. Je reste. Moi même pas tant qu'aux autres. M'a pas shooté sous moun. Tout ça m'a dit ma vérité. Donc, l'on pas être avec devant ULCC ou dit justifier ça parce que tout comme dit déposé sous compte moi. C'est ou bien pas chèque. S'il t'a va rarement au compte en espèce, par exemple, m'a pral dou en espèce cash, c'est des clients qui t'a fait lotissement. Et puis, moun a le déposé comme sous compte moi. Maintenant, le procès verbal de constat que Ansfer, c'est lui qui couvrit pour qu'il montre que il y a une impossibilité matérielle pour m'dava démontrer certains documents administratifs et financiers. Mais Maître Fleurant. Mais les dossiers sont là. Même il y a un contrat qui signe que c'est Ans qui signe. Maître Fleurant, excusez-moi. Oui, rapport a dit que lors de ces auditions, alors, lors de tes auditions dans CASA, mais comme c'est rapport, m'appeler rapport lors de ces auditions, alors lors des auditions de Aviol Fleurant, et suivant le mémoire déposé à l'intention de la commission d'enquête, l'ancien ministre de la planification et de la coopération externe, Maître Aviol Fleurant, a évoqué l'incendie de son cabinet comme obstacle l'empêchant de soumettre les documents administratifs et comptables à l'appui de certaines transactions. Pourtant, lors de sa première audition le 7 juin 2024, il a parlé de tentative et non d'incendie complet du cabinet. La tentative d'incendie
est également certifié par le procès-verbal de constat dressé par le juge de paix de la section sud de Port-au-Prince, maître Jean-Claude Mondelus, le 13 septembre 2017. On commente à mettre sur ça. Parce que vous parlez d'incendie. Oui, incendie de cabinet Fleurant. Ou même vous parlez d'incendie, procès-verbal que et Jean-Claude Mondelus dressé le 13 septembre 2017. Là, il dit tentative. Il dit tentative. Faux. Mercredi 13e jour du mois de septembre 2017, nous mettons Jean-Claude Mondelus sur la réquisition verbale du cabinet Fleurant représenté par M. Andrew Joseph. Le tribunal de paix s'était transporté à l'avenue de la Martinière, déférant à cette réquisition, accompagné de notre greffier, Pancho Lubin, avons lu sur le mur perpendiculaire l'entreprise principale du bâtiment en question, cabinet Fleurant. Avons vu et constaté devant le cabinet deux véhicules complètement calcinés, dont l'un apparemment est une Jeep Toyota de modèle RAV4 et l'autre une pick-up double cabine de modèle Ford, de Mac Ford modèle Ranger. Les plaques d'immatriculation sont illisibles, mais ça M. Hans dit, la déclaration de M. Hans, il s'agit d'un incendie criminel qui affecte à la fois la clientèle, la chalandage et la réseau social. Bon, un si même il dit son incendie, et bien de rappel là, il dit son tentative. Donc, vous êtes en ouais, son nec qui gon bagay contre moi. Ma porte est procès verbal, ça va nous lire. Procès verbal là, c'est pas un qui doit essayer. C'est juge de paix, section sud, pas au président. C'est maître Jean-Claude Mondelus. Un avocat, maître. Monsieur des hommes, vous parlez à un avocat. Là, on a métier. Juge l'a fait constat matériel. Il dit, mais tout ça, je viens de bouler. Il joue début pour cabinet à bouler tout. Mais Hans lui-même, Hans dit, c'est un incendie criminel. C'est Hans qui a dit. Pas gagné par tout ça. Continue, est-ce qu'il y a un dossier qui disparaît? Oui, Hans allait, il était peur pour moi. Moi, je l'ai dit à retourner. Hans prend tout dossier important, yo. Il a le météo ailleurs. Maintenant, n'a retourné, il ne s'est pas retourné. Je ne sais pas si s'en fouille, ou en fouille, même pas joué. L'homme ne vient pas ministre, pas joué. Papa Mando, ça, avant nous être dans un rapport là avec Ronald, où est-ce qu'on a eu tout problème ça avec DGULCCA qui est cousin? Pour qu'ils ne soient pas fait ça la loi, Mando, est-ce qu'il n'y a pas eu porte de sortie? Pour récuser le bon, oui, qui ça t'a qu'à faire comme cher maître? ULCC, en fait, la récusation, loi dans le code pénal, le code procédure civile, son bagaille ou fait les tribunaux de première instance, les tribunaux, les juges. ULCC, ce n'est pas en instance le jugement. Oui. C'est une raison pour elle que je ne peux pas récuser. Et pour l'autre bagaille, si je ne peux pas aller devant Hans, pas de monde qui connaît que Hans gagne tout bagay sa yo contre moi. Yo pral dit c'est cousin lié, c'est blanchi, le besoin blanchi. Si malé, mal prouvé, bonne foi, pour me connaître, est-ce que celui qui a bénéficié de mes bienfaits reconnaîtra le bienfaiteur? C'est la vérité. Je ne pas demander pour le faire pour moi. Même demander pour le dire la vérité. Ce qu'il a raté de faire. Est-ce que directeur a été en dos? C'est lui qui était auditionné. Hans? Non, mon cher. C'est enquêteur. Je t'ai accompagné avec deux patronniers de l'autre, la partie de Pierre-Louis, avec Maître Ducasse. L'aime rivé. Regardez, non. Ce sont des enquêtes. Hans lui-même, il partit la veille. Il partit la veille, il prend l'avion l'aller. Donc, je vais même dire que vous me dites bonjour. Bien entendu, je dis, il a une mission en Autriche. Je dois dire la vérité. Ok, donc ça veut dire pas maintenant, pas capable et récuser parce que pas bon procédure de récusation. Oui. Mais vous pouvez voir ça qu'a fait dans l'ULCC, ça. L'ULCC mérite d'être recadré totalement. Ils sont institutions, ça trop important pour nous utiliser pour faire politique, pour faire vengeance personnelle. En garde au bagaille, lors de votre tribunal, yotou, l'instruction est secrète. Monsieur, c'est pour vous préserver la liberté. C'est pour vous préserver la présomption d'innocence. C'est pour vous empêcher que l'homme de Johnny Ferdinand ou bien M. Deshommes ou bien Guerrier Dieu seul, Cap Fer,
travail comme bon journaliste. Léal leader rapport côté ULCC, dans rapport là, il pibale par son juge. Qui est un jour coupable? Eh bien, ULCC pas de droit ça. Parce que l'elle fait comme ça, il a vili ou. Tandis que l'on arrive devant juge, ULCC déjà lui fait obstacle au caractère secret de l'instruction qui viendra plus tard. Donc, ou pas qu'à un principe de droit qui joue l'instruction secrète, avant même dossier à l'instruction, ou avilie tout le monde. Et parfois, pour le Messie, et le baptême de ULCC qui a plein, qui joue sous 87 rapports, son grain de mounio condamné. Monsieur, si c'est comme ça, il a fait. Pas bon rapport qui a privé pour finalité devant la justice. Parce que faut que bien fait. Donc, M. Fleurant. Exemple terrain, attends, bon, pour dernier exemple. Exemple terrain, là, quand il y a eu dit m'acheter 160 000. Monsieur, vous comprenez qui s'est tenu en plainte déposée contre moi? Il a dit me payer terrain sa cash, comme si je prenais 160 000 dollars américains, cash me payer. C'est ça que tu as plainte, non? Où dit ça non? En passant, parenthèse, où dit ça non? Où dit ça non, pas de rien pour louer dans ça, sans moun yote utilisé. Vrai moun yote paraît tête yo. Yon a rapport à la. Malin, dossier terrain, non? Yon dit me le cash. Malé, mal, kay notaire, Carita Sagnol. Carita Sagnol monte que me fait un 11 versement. Par chèque, songez banque, une banque, songez banque, une banque, qui montre en traçabilité. Là, on paye des terrains par chèque. Ou pas qu'à parler de provenance douteuse. Non, non, ou non, M. Fleurant. Oui. Provenance douteuse là, c'est pour terrain Béguiville là. Oui, y'a pas, ouais, ou pas qu'à retracer contre jeune comme là. Béguiville, très bien. Béguiville, très bien. Monsieur, m'a le bon bagage simple. Deux terrains Béguiville. Je suis en 2016, moi ministre. À la fin, je dis, madame, moi, et vers fin 2016, écoute, chérie, on doit ouvrir un compte éducation pour les enfants. Moi, prends, on passe dans honoré à dossier que je gagne. Et je suis ces dossiers au cap là. Je me dis, madame, moi, 15 000 dollars américains. Je dis, il faut que nous ouvrions un compte éducation. Madame Mouin allait, lui ouvert compte là, lui déposer comme là. Maintenant, leur ministre, bon bagaille qui joue tout bien ou crevé d'hypothèque, ou pas qu'à vendre bien, nous dit quelle est la formule. Parce que, ou observe l'État, mais l'offre de servir l'État, va qu'à vous parler de chèpillé ou, pour y'a dit c'est volant de voler. Malgré tout bien immobilier que m'a gagné, sous. Bon, moi, sous 5 biens immobiliers, son seul marché, madame ministre. Tout le 4 yo, avant ministre, j'ai construit mon patrimoine, avant même que je suis ministre. Donc, ou imaginons, terrain Béguiville, madame Nadim, il n'a pas pouvoir pour l'éducation encore, l'a utilisé pour l'acheter deux terrains Béguiville. Et qui est-ce qui fait jouer le terrain? C'est sa sœur, docteur Jinan. Qui te connu mounyol dit, a gen de terre kap von, mka pa kachetel, sou kachetel, achetel. Ma femme, qui sont moun honnête, qui est membre de, qui était dans FAES, avec Lucien Franqueur, dans le cabinet de Lucien Franqueur. Ma femme, que le premier ministre Enek Jean-Charles, te mette dans ses mêmes. Eh bien, qui t'apercevoit en salaire, en lui dit la prachetil. Maintenant, nous dit, écoute, comme Léon ministre achetons bien, ou bien yon moun achetons bien, ou on haut fonctionnaire, bien ça, ou pas qu'à Yavel, la prachetil sous l'autre moun yo, madame l'a dit, écoute, Jenan, ou c'est pas Marine Vianney, ou met elle fait premier versement. Là, elle fait premier versement symbolique. Pour les enfants, en façon pour bien ça pas tomber grevé d'hypothèque, nous sommes avocats, ça ne fait aller pas contraire à la loi. Après ça, madame n'a pas propre idée de mettre pour faire éducation, il commence à payer deux terrains. Monsieur, deux terrains,
l'on a regardé, on vient goûter les deux, 75 000 dollars, si je ne me trompe pas, 75 000 dollars américains les deux. Monsieur, de 2017 à nos jours, madame, je ne peux pas finir payer, non? Parce que l'idim a viol, ou est-ce qu'on a pile bagaille pour Timounio, qui était ce lit fait. Madame, moi, prend quoi pour lui toucher chaque mois, l'alcaï noté SCL l'a payé. Jusqu'à présent, où est le bon conflit de payer? Ça veut dire que c'est 2017 à 2024. Et l'homme vient par ministre. Madame, moi, pas de côté, même payer moitié dans le cobla. ULC, c'est dans le rapport là. C'est comme si madame, moi, paye comme ça, au cash, dans l'espace 2017-2018. Monsieur, on ne fait pas ce genre de crime contre la personnalité d'autrui, contre la réputation d'autrui, contre le renom d'autrui. Monsieur, c'est un crime. Heureusement que moi, je crois à la justice de mon pays. Heureusement que moi, mon paquet de dossiers, ma chambre du dossier, pas de IEM fait qui n'est pas traçable. Sauf ça, que on ne pas bon. Parce que l'un des bons au cabinet, bonhomme des ministres, ou qui ont rédition de compte, fort ou bon compte, fort bon tout document financier, document administratif, jusqu'à présent, m'abdonne. Mais heureusement, bon Dieu t'a fait, mon procès verbal, constat que c'est Hans qui t'a fait le même, qui couvre ça avec le bras de la justice. Et m'a dit dossier côté Hans signé, côté me fait crobio. M'a dit pas lié, oui. Liba mentionné yo. J'attends vos questions. Avec oui, parce que dans mise en contexte rapport, il est clair que c'est en pétition que 4000 et 900 moun epic et sien pour demander que yo al gade et pour auditer gestion ou même comme ministre planification. Bon bah pour que ça au fait il oui, tourner en affaire personnelle ou même Andy Joseph. Ou imaginons, premier bar là qui j'ai commencé, que Kaïmouen qui a été depuis CMT Fell, madame ministre. Monsieur Faux, Marseille Terre en 2008, je commence à construire en 2012, tout le monde depuis si qu'on est. Et je fais premier versement en 2012 avec l'architecte pour s'en vanter, Alice, qui est là, une grande architecte. Vous comprenez? Et je fais toute traçabilité, je finis Kaïla, le ministre. Elle a été presque fini. Je suis dans la phase pour mettre les fenêtres. Le ministre m'a fini Kaila. Mais toutes les fenêtres, je suis entré dans Kaila en 2017, monsieur. Monsieur, on ne fait pas ça à la République. On ne fait pas ça à des citoyens. On ne fait pas ça à des professionnels. Lors dit pas qu'à justifier 569 000 dollars américains. Tandis que dans deux dossiers, je fais madame ministre seulement. Dépasser dans trois dossiers, me dépasser tout comme ça. Ou pas mettre, c'est-à-dire que c'est ou t'es témoin, ou t'as dirigé cabinet, ou fait exprès, ou pas mettre, ou fait règlement de compte. Si Hans était honnête, il aurait dû ou bien démissionner pour le battre des dossiers, ça, ou bien le demander, voyez le baron l'autre instance pour le tendre, parce que il y a un conflit d'intérêt. Autre chose, messieurs, aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle le rêve américain. Moi, c'est un professionnel. Le rêve américain, c'est un Américain qui atteint tout objectif dans la ville, qui réalise. En 2019, moi, je suis un ministre mal étudié, mal fait doctorat, même dans la finition, je suis soutenu. Je suis en 2019, bon, je vais permettre de me dossier, je ne vais pas citer nos institutions. Une grande entreprise de la place. Johnny Ferdinand, moi-même, monsieur, je me suis rencontré avec elle dans le market. Je me dis, Johnny, ou répète ton bagage, enquêteur, je dis, je dis, regardez sous compte à viol, il y a quoi c'est quoi, il y a moi, il saisi. Je dis, Johnny, il y a qui pour faire ça, oui, faites très attention. En 2019, je me fais un dossier, on crée une entreprise de la place. Monsieur, ouais, quoi, il y a dit,
que je n'ai pas justice, je n'ai pas justifié, ça, pardonnez-moi. Bon, je permets, moi, je fais comme. Mais moi, investis comme là. Monsieur, aux États-Unis, il y a pris comme exemple, un modèle. Voilà un avocat qui sortit de l'arrière-pays de Waname, parce que Waname a crié. Mon papa m'a crié. Ou investi comme là, dans qui ça? Le collège de droit entré, faculté de droit de Port-au-Prince, parmi les meilleurs étudiants de ma promotion, des deuxièmes de ma promotion. Après ça, m'a gardé, en France, m'a fait des études même à distance, m'a allé me faire doctorat, comme avocat, m'a dit avocat au paquet de grandes institutions, la congrégation des frères du Sacré-Cœur, m'a avocat à l'église catholique. M'avocat plein Haïti, m'avocat concern worldwide, m'font pile dossier succession, m'font pile dossier pour paysans. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si vous êtes en anglais, vous marquez subscribe. Si vous êtes en français, vous marquez s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Lorsqu'on clique sur lui, on appelle une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, on appelle l'on abonné automatiquement par sous première option. On appelle flèche là sous deuxième option. Retire flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, on a besoin de notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.